Source 2, les frérots, avec un gameplay magnifique. Je vous mettrai dans la description le petit lien si vous avez envie de vous mater un match complet sur ce que pourrait donner ce nouveau moteur. Et c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc je fais un appel à vous tous qui regardez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, voilà, tout simplement. Si vous aimez le contenu sur Counter-Strike, si vous aimez mes actus, mes tutos, mes guides, mes vidéos gameplay, tout, des best-of, il y a de tout. Voilà, il y a de tout sur ma chaîne. Donc continuez de vous abonner. Continue de me soutenir, on rush les 110 000 puis les 200 000 très bientôt. Et j'ai du gameplay à vous montrer sur Source 2 avec CS, donc Counter-Strike Classic Offensive, qui est développé donc par Zul et une équipe de développeurs qui travaillait avec Valve, et ils ont obtenu l'accord de l'utilisation de la licence CS et tout, enfin bref, avec les accès de code et tout, enfin bref, il y a un truc qui est en train de se faire, peut-être le temps du changement mes frérots, je vous laisse ce gameplay absolument exceptionnel. C'est pas fini mes frérots, donc là ce qu'on vient de voir c'est Counter-Strike classique offensif, donc c'est sur les anciennes maps, mais avec les anciennes armes, avec le son, mais avec les mécaniques de CSGO, donc le spray de CSGO, le sound design de 1.6 et ce genre de choses, mais le moteur sur lequel il fonctionne c'est Source 2, et j'ai un gameplay intégral à vous montrer, et je vous laisse absolument kiffer, et là on est sur train, écoutez déjà ce son absolument jouissif. Oh no, oh no, oh no, delete the VOD. Là c'est les devs, hein. C'est les devs qui sont en train de jouer. Je vous mettrai le lien, donc vous voyez un petit peu comment c'est jouable. Donc là c'est train, mais voilà, regardez la colorimétrie, regardez l'architecture, le sound design c'est à la 1.6, mais regardez les textures, regardez les mécaniques, etc. On est clairement sur Counter-Strike Global Offensive, hein. C'est juste que on est sur les anciens modèles et tout. Mais regardez la colorimétrie, la saturation, c'est magnifique, c'est très lisible, on a les anciennes armes et ce genre de choses, mais voilà ce qui est capable de nous proposer Source 2 en fait. Voilà, les tâches de sang, etc. Ça c'est voulu, c'est développé de cette manière, mais regardez ce qu'on est capable de faire. Voilà ce qui est capable d'être produit. Donc c'est une game bien évidemment 5v5, etc. avec tous les développeurs. Je vous mettrai bien entendu le lien, je vous le répète, dans la description si vous voulez aller regarder. Mais c'est, on voit ce qui est faisable. Donc on voit ce qui est faisable sur ce magnifique nouveau moteur qui est Source 2. Une nouvelle gestion des couleurs, une nouvelle gestion des mécaniques, des animations, de l'audio, tout ça, et c'est absolument exceptionnel. Je rêve de Source 2, je rêve de renouveau, de changement, de mise à jour, de sensationnel. Et dans tous les cas, c'est disponible pour la communauté très bientôt. Je vous montre un tweet du dev qui dit voilà, qu'en gros il le laisse en open pour les gens qui veulent dev, etc., qu'ils ont accès. CSGO leur ont autorisé les accès à des trucs de serveur, à des lignes de code, enfin des trucs internes, etc. Voilà ce qu'il dit. Enfin, un appel absolument à tout le monde que je ne comprends pas parce que c'est pas un langage que je comprends. Et donc, voilà, ils ont de la licence et ce genre de choses. Ils ont anti-cheat, machin. Et ça va être absolument exceptionnel. Je vous mettrai la documentation là-dessus, mais j'ai hâte que ça se soit jouable, disponible pour le grand public, que je puisse le télécharger, que ça va être un mode, en gros, et c'est exceptionnel, c'est juste exceptionnel, donc moi j'adore. Dans la triple explosion. Voilà, c'est fait. Oh là là, faut le clipper celui-là. Jesus Christ.